Quatennens, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je comprends bien l'intérêt du coup de sang que vous venez de faire, mais laissez-moi vous dire que votre volontarisme à lutter contre la fraude est à géométrie variable. Car sur la fraude fiscale, nous ne voyons pas que le gouvernement déploie le volontarisme que vous prétendez déployer sur cet article. Peu importe, justement, Madame la Ministre vient de dire que c'était toutes les fraudes. C'est Madame la Ministre elle-même qui vient de parler de toutes les fraudes. Voilà. Alors, nous parlons dans cet article de fraude aux prestations sociales. Avez-vous noté, Madame la Ministre, que les fraudes réalisées par les entreprises font perdre 500 millions aux finances de la sécurité sociale ? Et je ne vois pas d'éléments plus importants consacrés à cette lutte. Quant à la fraude fiscale, nous l'avons dit, concernant les finances sociales et les finances de l'État, elle s'élève à 21 milliards d'euros par an, selon le Défenseur des droits. Tandis que les fraudeurs aux prestations sont pourchassés dans des conditions mauvaises et souvent arbitraires menées par les organismes, les fraudeurs fiscaux nous coûtent 30 fois plus cher et ont toujours le verrou de Bercy, le tribunal du pire. La justice expéditive des pauvres que vous aggravez contraste fortement avec celle réservée aux riches exilés fiscaux, je suis désolé de le dire, et moi aussi, ça m'énerve. Quand de telles distorsions existent, comment voulez-vous que nous fassions société ? La meilleure lutte contre la fraude et les petits larcins du quotidien consiste d'abord à faire une société globalement juste. Elle n'exclut pas la compassion et la prise en compte de la situation économique des fraudeurs réels ou présumés. À quoi cela sert-il à la société française que la remise de dettes de gens ruinés soit désormais interdite dans toutes les branches de la sécurité sociale, comme le stipule cet article ? Quel est le véritable usage de cet article, sinon de contenter un électorat qui aime traiter le pauvre de fainéant, l'allocataire du RSA de profiteur, le bénéficiaire des allocations familiales de magouilleurs, et si nous déployons plutôt un maillage d'information et de sensibilisation des usagers. C'est en sensibilisant les usagers que nous allons lutter contre la fraude, pas en menant cette chasse-là. Merci beaucoup, Monsieur Quatennens, Monsieur le rapporteur.